Wow! Ouh, j'aurais pas dû faire ça! Hop, 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 tout seul. Je sais pas du tout à combien de pouces bleus on est, mais sachez qu'à 21h, s'il y a 50 pouces bleus, je fais gagner à quelqu'un 15 points café. 15 points café. 7! 6! Bonjour! Semaine spéciale Halloween, tous les soirs à 19h. Le choix et le levier pouvaient être différents, effectivement, ouais. Oh. Allez, allez, tu vas descendre, non. Allez, il faut te sortir d'ici. Non. On doit y aller maintenant. Eh bah dis donc, dis donc, dis donc les amis. Il me demande si ça se passe bien ou pas. Ouais, ça se passe bien, tranquille. Par contre j'ai une casquette, d'accord. Vous allez continuer à vous comporter avec autant de complaisance. Oui. Chapitre 5, proie. 20h-23h, tous les dimanches, avec Sneer. Il est 20h, nous sommes en live, parce que c'est dimanche. Bien entendu, petit café les amis, j'en ai besoin. Ou c'est pas un asile, c'est un sanatorium. Le sanatorium, c'est où ils mettaient les gens qui avaient des petites maladies, il me semble. On peut rentrer. La morgue, ah bah on va aller à la morgue. Clairement, attendez, attendez. Parce que c'est clairement l'endroit le plus rassurant hein, quand tu es dans un truc abandonné. Tu vas à la morgue. Peut-être bientôt un premier choix à faire dans le chat. Hein. Préparez-vous. Alors, manifestement, c'est par ici. Alors, on a une machette. Il y a un peu de sang dedans, c'est sûr. On t'a vu, toi. On t'a vu, on t'a vu. Alors, je sais plus pourquoi on était sortis. Il y a un monsieur qui a enlevé... Non, un monstre qui a enlevé ma meuf. Hein. Ah, alors. Si tu veux mon avis... C'est étrange. Wow, wow, wow. C'est ça qui leur donnait à manger? Wow! Ouh, j'aurais pas dû faire ça! Oh, j'aurais pas dû faire ça! À l'erreur! Aïe, 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 aïe! Les amis dans le chat, c'est à vous! Est-ce qu'on ouvre le piège à ours? Est-ce qu'on ampute les doigts? On ampute, tu ouvres, ouvres, ouvres! Non, ça va être amputé! Ça va être amputé! Il y a plus d'amputation, les amis, c'est triste! Fermez les yeux, âme sensible. On va couper. On va tout couper. C'est parti. Ah oh oh, il y arrive. Oh là là, il a du mental. Il a du mental. À mon avis, si on essayait d'ouvrir le truc, on n'y arrivait pas et on se faisait bouffer d'un truc ou je ne sais quoi. D'accord. Bon, bah une bonne chose de faite. Des doigts en moins. Voilà, on a bien fait de venir. On a bien fait de venir. Bon. Attends, attends, pourquoi il y a une porte qui s'ouvre là? Attends, attends, attends. Depuis quand tu bouges? Pourquoi tu bouges? Il y a du vent? Gros plan? Mais oui, le gros plan qui fait plaisir. Est-ce qu'il va se réveiller? Attends, on s'écarte un peu de l'écran. C'est un rat. Ça m'a pas fait peur. J'attendais, j'attendais. Hop, 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 hop. Doucement. Doucement, cours! Cours, mon pote, cours! Bon, ça va, c'est un chien qui courait pas trop trop vite. Dans la vraie vie, il m'aurait bouffé le cul normalement. Hein. Ah, le monsieur est là-bas. Ah, je suis revenu en bas. Voilà, donc en fait, j'ai gagné 2 doigts en moins. Bah, c'est super! Incroyable! Ah! 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 Oh, si, ça lui a suffi. Ah, ouais, ok, ok, ok. C'est un chien, ça va quoi. Ça va. Il est agressif, mais pas trop quand même. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un flingue! Ah, le flingue! Ah, c'est trop loin! Ah, c'est triste! Ah, la tristesse! Et tu ne peux pas aller plus loin que ça, hein. Cet homme est intelligent. Oh là là, ça nous sera sûrement utile. Un totem, un nouveau totem, allez c'est parti. Petite annonciation de nom. Oh, de mort, c'est la mort. Ok. Note à moi-même, on n'utilise pas le briquet. Ça se trouve on va l'utiliser parce que ce sera à vous de décider dans le chat. Et que vous aimez me faire mourir les gens hein. Ça se trouve hein. Le feu de la semaine dernière, ah, tu te rappelles, Dino se rappelle qu'effectivement on avait déjà eu un autre flashback avec du feu.
Mais c'est peut-être un autre feu, hein. Sauf s'il y a plus de... Sauf s'il y a déjà plus de balles. Allez, boum! Voilà, deuxième. Ah! Erreur! Erreur, mon cher! Tu n'avais pas vu que c'était deux. Mais quelle grosse merde! Mais barre-toi! Mais barre-toi! Normalement, on n'est pas mort. Par contre, il y avait une caméra de surveillance dans la salle de bain. Et ça, on... ça c'est... Ça, c'est... C'est pas bien, hein. Oh, il contrôle tout! Il contrôle tout! Oh là 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 là! Ah, oh, il a fermé la porte, on ne peut pas passer. On peut pas passer par-dessus le muret, il faut leur faire tout le tour. Une hache. Je me sens vraiment mieux avec une hache. Mais bien sûr, avec un peu de chance, on butera pas quelqu'un avec, sans faire exprès. Un choix pour vous les amis dans le chat, je sais pas en quoi ça influe, je sais pas si ça influe. Entre aider Emily à passer à l'intérieur ou défoncer la porte. Qu'est-ce qu'on fait? Aider, enfoncer, enfoncer, je crois qu'il y a plus de portes, hein. Ouais, il y a plus de portes. On enfonce donc la porte, allez c'est parti. Enfoncer Emily nous dit Non, 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 on va laisser Emily tranquille. Allez c'est parti, boum. Allez, voilà c'est bien. Bravo, comme ça, s'il y a quelqu'un qui nous arrive dessus, on pourra plus fermer la porte. Mais écoutez, ah, il y a la lumière au moins. On est bien. Regarde, le téléphérique est tout là-bas. C'est pas si loin, si. Tu peux l'atteindre? C'est pas une bonne idée. Alors, du coup, je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelqu'un qui a marqué mort partout dans la pièce parce que ça doit être quelqu'un de très rigolo dans la vie. Par contre, c'est clairement de la peinture là. Tu me duperas pas. Ah, ça se voit, hein. C'est pas du sang. Je suis prêt, je suis prêt, je le sens le QTE de j'ai glissé sur la neige. Je le savais. Je le savais. J'aurais dû te laisser tomber. J'aurais dû. Ouais, tu peux peut-être passer devant. Ok. Tu n'aurais pas réussi, les deux tombaient. Ah ouais, c'est vrai. Si j'avais raté le QTE, je faisais mourir les deux. Monstrueux. Alors, on arrive tout au bout d'une falaise. C'est pas très rassurant. Danger. Bien où tu marches. Falaise. C'est quoi ça? Et on n'est pas du tout dans un cul-de-sac, hein. Putain, merde. Merde. Mais ben bonjour. Mais qui êtes-vous? La suite au prochain épisode. Et bien entendu, pendant qu'on est dans notre bain, les amis, je vous rappelle que toute la soirée, on va vous faire gagner des cadeaux avec des tirages au sort en vous faisant gagner des points café, tout simplement. Et donc si t'avais des objectifs de pouces bleus, je sais pas du tout à combien de pouces bleus on est, mais sachez qu'à 21h, s'il y a 50 pouces bleus, je fais gagner à quelqu'un 15 points café. 15 points café. Mais comment il est rentré là, lui? J'étais en train de faire mon annonce, je vois un mec derrière en train d'ouvrir la porte. Je me disais, tu l'avais pas encore vu, ça t'a coupé direct. Mais oui. Alors, oh, un ballon. Regarde un ballon. Est-ce que c'est référence au film ça? Je suppose qu'il faut qu'on descende. Descendons. J'ai pas la moindre idée d'où faut que j'aille, hein, mais je vais trouver. Putain, mais toutes les portes sont fermées dans ce putain de truc. Ils ont disparu tous. Bah, ils sont tous dehors en train de chercher des trucs inutiles. Salope! Oh! Ça va, tout va bien. Ça va. Merde quoi! C'est fini, d'accord. Allez, les portes qui vont se fermer. Vraiment pas votre silence. Les portes qui se ferment. Voilà, les portes qui se ferment. C'était classique. 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 Non, mais tu vas pas m'apprendre l'horreur, enfin. Moi, sursauter. Jamais de la vie. Ah, un petit film. Un petit film, on va la voir. Non, on va la voir dans son bain. Je ne pense pas que tu réussisses à me trouver ça. Quoi, ça? Voilà, classique, mais classique. Le petit travelling. Côté, n'est-ce pas? Un joli petit oiseau. Penses-tu qu'elle ait une idée de ce qui l'attend? Ferme les yeux. Et là, comment elle a pas vu la caméra là? Josh! Quel effet sur tes frères? Qu'est-ce que vous avez fait? Je vais te donner 10 secondes. 10 secondes! 9, 8, 8, 7, 6. Bonjour! Non. Bonjour. Attention, c'est jeter le vase ou courir. Est-ce qu'on lui jette un vase en pleine gueule ou est-ce qu'on essaye de se barrer en courant? Vous avez été quelques-uns à dire le vase, mais la majorité a dit courir, les amis. Alors c'est parti, on va courir. On court. Il a une bouteille dans la main. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Merde, merde, merde. Vas-y, on attend les QTE.
Je suis chaud les QTE là. Il arrive. Est-ce que je me cache sous le lit? C'est pas une bonne idée. Est-ce que je saute par... La fenêtre? C'est une fenêtre? Est-ce que... Non, c'est même pas la fenêtre. Est-ce que je saute par-dessus le lit pour me barrer? Sauter, sauter. Non, les gens aiment bien Sam apparemment. Ils veulent qu'elle survive. Alors après, je vais peut-être sauter, me prendre les pieds dans le tapis et m'éclater comme une grosse merde. Sachez, anecdote, instant anecdote à Vesnir. On la voit pas, mais j'ai une cicatrice sur le front bien visible que tout le monde peut voir quand tu es à peu près proche de moi. C'est une table. Je me suis pris les pieds dans le tapis, mais de tout mon poids, je me suis empalé sur le coin de la table. J'avais un trou dans le front et j'ai gardé une belle cicatrice. On saute. C'est parti. Est-ce que je me pète la gueule ou pas? Bonjour. Ça va, ça va. Ça va, ça va. QTE. On aurait pu se péter la gueule. Peut-être gravement. On n'avait pas laissé un truc par terre, une arme ou je sais pas quoi. Ah! Énième choix les amis, est-ce que de nouveau on se cache ou est-ce qu'on court? C'est tendu mais on va se cacher, on va changer un petit peu, on se cache. On se cache. C'est parti les amis. Oh putain, j'avais pas vu qu'il y avait un QTE, tout va bien. Je bouge pas, j'ai posé la manette. Oh, je suis un génie. C'est moi. Heureusement j'ai posé la manette, sinon il allait me voir. Parce que je suis incapable de rester droit hein. Est-ce que je... Stop. Encore un choix. Ça y va, à fond la caisse. Est-ce que je reste caché ou est-ce que je cours? Et heureusement, j'ai posé la manette. Mais je l'ai posé par pur hasard. Incroyable. C'est, on va rester les amis, c'est parti. On reste. Je repose la manette parce que je triche. Je suis un tricheur. Tu sais que je peux te sentir, Sam. Mais non, j'ai pris un bain, ça va. Je peux sentir ta peur. Ah, encore. Les amis, je sais pas si c'est le bon choix, mais on reste. On ne bouge pas. Merde, il m'a vu. J'aurais dû courir. Aïe. La batte. La batte. La batte! Ouh la batte! Oh là 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 là, c'est beau! C'est beau! Ah! C'est quoi ce bordel? Il n'y a pas de poignée! Non! Est-ce qu'on force la porte? Je sais pas comment on va la forcer, mais on la force! Ou est-ce qu'on renverse pour essayer de renverser des choses? Allez, on renverse! On renverse! Est-ce que ça passe? Non, c'est pas une bonne idée! Non! Oh, la poignée, elle était là! Quel débile! Récupère, vite! Alors, attends, pourquoi il est si lent par contre? Non, parce que là... Bon, alors je conçois que regarder et se déplacer avec un masque comme ça, c'est pas évident. Mais enfin là, quand même, hein. Il faut prendre un peu de café, monsieur, hein. Parce que sinon, nous, ça se voit que c'est quand même force, hein. Quand même, quand même. Tac! On l'a réussi les amis. On aurait pu mourir mille fois hein. Tac. Non. Ouh, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Tout va bien. Ce n'est qu'un long couloir. Dans 10 minutes les amis. Attends, attends. Il y a un truc qui va apparaître au fond. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on court? On risque de se péter la gueule. On est en serviette. Est-ce qu'on court à gauche les amis ou est-ce qu'on se cache à droite? On va se cacher les amis. On va se cacher, c'est parti. C'est parti. On se cache. On a l'intuition. Merde. On se cache sous un ascenseur. C'est pas une bonne idée. Bonjour, ça va? Je bouge pas. Non, je bouge pas. Non, je bouge pas. Ça va. Il a posé la bouteille. C'est de l'azote? Ça fume. Ah, bon, l'ascenseur ça va. Par contre, je pense que si j'avais bougé, c'était fini. Nous retrouvons notre ami le narrateur. Bonjour. Quoi? Mais c'est moi le fou en fait. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, on y retourne. Psychose, comme dans le film de Hitchcock. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais. Bah, t'as un parachute peut-être. Ça s'écarte? Ça s'écarte ou pas? Mais oui, je suis le maître des caribous. Écartez-vous devant moi. Écartez-vous devant la puissance du café. Les caribous ne boivent pas de café, j'en suis presque sûr. Ah!
Et si je dis pas de conneries, si dans le jeu... Attends, laisse-moi expliquer à mes viewers. Si dans le jeu, au début et durant tout le jeu, tu butes les animaux, je suis quasiment sûr que là, les caribous, ils sont méchants avec toi. Parce que t'as été méchant avec la nature, genre si t'as buté l'écureuil au début du jeu, là, je suis sûr que les caribous, ils doivent te faire du mal. Ça paraît très logique. Et là, vu que j'ai été gentil avec les animaux... Attends, j'ai parlé trop vite. Non, je vais pas... Non! Je suis gentil! Tu vois? C'est ça, mais quel beau message dans ce jeu. Regardez ça, c'est beau. C'est beau. Incroyable. Incroyable. C'est des hiboux. C'est... Oui, c'est vrai que c'est des hiboux. Bien joué. Ce n'est pas des caribous, c'est juste des hiboux tout court. Exact. Alors, nous sommes de retour sur la falaise. Nous avons donc survécu. J'imagine que sinon, on serait mort, comme des grosses merdes. Wow, bonjour. C'est nous, ça va? Je vois plus rien. Un détecteur de mouvement. Ah. Non, j'ai cru que c'était un mec qui nous observait, moi. Je rêve, je rêve. Quand c'est qu'on va pouvoir faire crever Emily? Bientôt, j'espère. Ce serait bien. Alors, on a activé le courant, mais j'imagine que ça va du coup faire venir la moitié des connards de cette forêt. Allez, allô, allô. Allô, allô. Allô, 20h-23h tous les dimanches avec Snir. Vous m'entendez? Dites quelque chose, il y a quelqu'un. On a besoin d'aide. Terminé, terminé. Répétez votre message, nous ne comprenons pas ce que vous dites. Identifiez-vous, s'il vous plaît. Terminé. Nous sommes à Blackwood Mountain, près du chalet. Et il y a un tueur qui nous pourchasse et il a déjà tué un de nos amis. C'est pas vraiment pitié de nous aider, s'il vous plaît. Voilà, j'espère qu'il a bien reçu le message. Ah ah! Il n'y a pas que... Ça doit être un de ces putains de cerfs. Ne bougez pas de là où vous êtes. Nous enverrons des hélicoptères vous chercher dès que la tempête se sera calmée. Mais bien sûr. Putain. Oh merde, il est là. Il vient pour moi. Bah mettez-vous sur la trappe en fait. Il pourra pas l'ouvrir. Il fait le tour là. Il y a un tour. Il doit pas y avoir de... Oh les... Oh le pas con. Oh il va faire tomber la tour. Ça suffit pour faire tomber une tour? Bon elle était rouillée. Bouge pas. Réalisez le QTE, je suis chaud là. Le QTE. Le QTE.